Bonjour, mon nom est Manon Allard. Je suis gestionnaire du programme de cancérologie du Centre hospitalier de Sainte-Marie. Le mot cancer est un mot qui évoque beaucoup de peur, spécialement si c'est un être cher ou un ami proche qui en est atteint. Nous avons créé cette visite virtuelle de notre centre ambulatoire afin de vous familiariser avec les lieux, les façons de faire et tous les services que nous offrons et dont vous aurez peut-être besoin au cours de votre traitement. Chaque jour, notre équipe dévouée d'employés, de médecins, de pharmaciens, d'infirmières et de bénévoles vous procurent des soins exceptionnels, car ils ont à cœur de vous fournir les meilleurs soins possibles. Bien entendu, une simple vidéo ne répondra pas à toutes vos questions et n'apaisera pas toutes vos inquiétudes, mais j'espère que grâce à cette visite virtuelle, vous saurez que vous êtes entre bonnes mains au Centre de jour de cancérologie du Centre hospitalier de Sainte-Marie. Un diagnostic de cancer n'est jamais quelque chose de facile à recevoir, mais soyez assurés que notre équipe de professionnels est là pour vous soutenir et fera tout en son pouvoir pour rendre votre séjour parmi nous le plus agréable possible. À votre arrivée, vous devrez vous présenter au troisième étage, au comptoir d'enregistrement. Un agent administratif vous demandera alors de présenter les documents suivants. Votre carte d'assurance maladie, votre carte bleue du centre hospitalier de Sainte-Marie, les formulaires verts et jaunes que votre médecin vous aura remis préalablement. Une fois votre enregistrement fait, l'agent vous remettra un téléavertisseur. Ce dernier vous aidera tout au long de vos déplacements lors de votre visite. Chaque fois que vous devrez vous rendre à un endroit spécifique, le téléavertisseur vibrera et affichera le nom de cet endroit. Par exemple, il pourra afficher prise de sang, médecin, salle de traitement, pharmacie ou psychologue. Voyons ensemble chaque étape que vous devrez traverser lors de votre visite. Après votre enregistrement, l'agent administratif vous dirigera vers la salle d'attente où vous attendrez les prochaines directives de votre téléavertisseur. Dans la salle d'attente, des livres, des revues, des casse-têtes et un ordinateur sont mis à votre disposition. Vous pouvez également vous servir du thé ou du café. Il suffit de demander l'aide d'une bénévole. Lorsque votre télé-avertisseur affiche prise de sang, rendez-vous au local situé entre la salle d'attente et l'enregistrement. Vous devrez alors subir des prises de sang afin de déterminer si vos taux sanguins sont adéquats avant de recevoir votre traitement. Après votre prise de sang et de retour dans la salle d'attente, vous devrez attendre environ 45 minutes afin qu'on analyse votre sang et que les résultats parviennent au médecin. Le téléavertisseur vous avisera lorsque le moment est venu de vous présenter au bureau des bénévoles de l'air clinique pour votre consultation médicale. Une fois votre consultation médicale terminée, vous devrez retourner dans la salle d'attente. C'est à ce moment que le personnel de la pharmacie vérifiera les prescriptions du médecin et préparera votre traitement. Selon le traitement qui vous a été prescrit, il se peut que vous deviez revenir un autre jour afin de recevoir vos médicaments. Il est important de respecter vos rendez-vous. Si vous devez recevoir votre traitement le jour même, votre téléavertisseur affichera Salle de traitement. Présentez-vous alors à la réception de la salle. On y cédulera votre prochain rendez-vous et on vous assignera une place pour votre traitement. L'infirmière débutera alors une évaluation de votre état de santé. N'hésitez pas à lui parler de vos inquiétudes quant à votre traitement ou de toute question que vous pourriez avoir. Vous recevrez alors votre traitement. Tout au cours du traitement de votre cancer, vous serez probablement appelé à rencontrer d'autres intervenants de notre programme. Voici un survol des différents services offerts. Le personnel de la pharmacie offre de l'enseignement individuel aux besoins et sur rendez-vous, vérifie et prépare vos médicaments et aide à gérer vos effets secondaires. Personnes ressources, les infirmières pivots offrent du support, de l'enseignement individuel et du suivi avec le réseau de la santé et la communauté. La nutritionniste offre des séances d'information en groupe ou des consultations individuelles et s'assure que votre alimentation est appropriée pour votre situation médicale. L'équipe de psycho-oncologie comprend une psychologue, une psychothérapeute, une musicothérapeute ainsi qu'une massothérapeute. Ces personnes sont là pour vous offrir du support, répondre à vos questions et vous aider à surmonter les moments difficiles. Votre travailleuse sociale est là pour vous mettre en contact avec des ressources en lien avec la communauté. Présent de la réception à la salle de traitement, en passant par la salle d'attente, l'équipe de bénévoles se distingue par leur blouson bleu. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Les infirmières et infirmiers sont présents pour évaluer votre état de santé, prendre soin de vous et administrer les traitements selon la prescription médicale. Cette équipe comprend des oncologues, des hématologues et des spécialistes en soins palliatifs. Le Fonds de cancérologie aide les patients qui ont des besoins spéciaux, des tresses financières, besoins de transport ou ont des problèmes financiers à surmonter pendant leur traitement. Il supporte la formation continue des professionnels et aide à l'achat d'équipements dont les coûts ne sont pas défrayés par le centre hospitalier. À un moment ou un autre de votre traitement, vous pourriez être appelé à rencontrer une de ces personnes. N'hésitez surtout pas à communiquer vos besoins à votre médecin ou à votre infirmière. Nous espérons que cette visite virtuelle vous a donné un bon aperçu du fonctionnement et des services que notre programme peut vous offrir. Tout au long de votre traitement, n'hésitez pas à poser des questions au personnel soignant. Toute notre équipe est là pour vous soutenir dans ces moments que nous savons difficiles.